Voilà, on est avec notre ami Adriano. Guillaume n'est pas là, mais il est excusé. Baptiste, pas de nouvelles. Donc, on se replonge dans un contexte très rock'n'roll avec une grille très blues, comme ça, que tu connais déjà, hein, les cadences blues. Tout ça, c'est un prétexte à faire des turnarounds. Tu vois? Donc, sol majeur. Sur l'accord 5. Donc accord 1, sol, accord 4, do, accord 5, ré. Et la cadence blues traditionnelle. On est parti, on le fait à 110 et puis si ça marche, on le fera à 140. En avant. En avant. 140, on est parti. On la 110 et on passe dans la seconde octave. Ça va? 110. Ça va être chaud à 140, hein. C'est le turnaround, il est dur à faire, hein. Mais je suis sûr, avec un peu d'entraînement, tu vas y arriver, quoi. On y va, 140. Du turnaround, il faut la travailler un peu. Donc, on n'a pas eu le temps de mettre ça en boîte, mais on le fera éventuellement la fois prochaine. Tu peux quand même déjà les travailler parce que tu les as compris, c'est-à-dire des plans. Bend et double stop. Là, je vais mettre une batterie pour qu'on comprenne un peu ce qui se passe. Tant. Ça fonctionne mieux quand ça va plus vite. Plus vite. Tu viens de mettre 110. Oui, c'est trop long. Il faut le faire à 140. Voilà, des plans avec 3 doubles croches. Avec 4 sur les temps. Maintenant.
batterie ne veut pas qu'on continue. Ça va, on a fait l'essentiel.